Ceux qui sont venus pour la première fois, comment avez-vous su qu'il y avait ce programme? Non, vous voyez, par exemple, vous voyez, 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 vous les médias, Mandela et la télévision. Tu as suivi quel média? Hein? DRTV, ok. Mandela et TV, à DRTV, c'est ça. Les frères? Tu as vu le bataille? Et les autres, on va appris depuis la France. Il va bien dire qu'il y a la France. D'accord. Oui, frère. Comment? Je n'ai pas entendu. La maman l'a invité. Ah, c'est ok, d'accord. D'accord. Vous avez des questions à poser? Mituna et Zali. Là-bas. Ok. Il fait moins chaud aujourd'hui qu'hier. Et là, mon longue zara a été l'obito, ils ont mal appelé. Il y en a que moins. Ouais. Merci de la parole. J'ai trois questions. Si vous me les permettez. La première, c'est dans le Jean, Jean 2, verset 5, dans la BGC. Béni Dieu et le c'est béni Dieu meurt. Donc, c'est vous dit Dieu meurt, ça c'est la première. Et on va répondre à la première fois. Mes alliés étaient la Bible, il y a BGC, il faut tous les avoir la Awa, un passage à BC. Va commis été pambola nzambe bongo kufa na ba version mso ba commis la ke la nzambe ba be bongo kufa kuna nini différence? Alors voyez, Dieu nous conduit autrement à chaque fois. Bongo nzambe ka maka biso lo yenge moko te mikolo nyoso. Et il y a le terme ou le verbe barak. Barak verbe ou ba utiliser wana barak. Un verbe hébreu. Barak signifie bénédiction. Barak est l'ikoloba ipamboli. Béni. Kopambola. Prononcer des bonnes paroles. Koloba maloba malam. D'accord? Et lui second. Et la version à lui second. A préféré traduire barak par maudit. Il y a ces pélas qui bongola, il y a barak na monogonabiso, le cola pour la gramabé. C'est pour cela que dans la BGC, il y a BGC, ou la Martin, ou bien la Bible avait la Martin version Moussous. Ça a été traduit correctement par bénédiction. Et pas yoabi, tout l'ikoli a mon alolingo et singela qui voli pour la main, il pamboli. C'est bon? Oui, c'est bon. La deuxième, c'est dans le livre de Luc 16, là où le Seigneur parle de l'économe infidèle. Comment le Seigneur loue cet économe qui est infidèle? J'aimerais Luc, c'est ça l'économe. Ok. Et le lingala, c'est pas. Mais tu parles très bien, le gars. C'est grâce. En fait, le Seigneur a
parler d'une parabole. Où il est question d'un homme qui volait l'argent de son maître. Et son maître a fini par être au courant de cela. Il a décidé de le remercier, de le licencier. Et cet homme, l'économe, quand il a su qu'il allait être licencié, il est allé voir ses collègues qui étaient sous son autorité. Et il a dit à l'un, combien on peut mettre? Oh, moi je dois tant. Il dit non, habité. Donne-moi une petite. Écris tant. Il va voir un homme qui fait la même chose. Oui, qu'il est content, il s'est agnoso. Pourquoi il a fait cela? Parce qu'il s'est dit, ami Lobelaki, si je suis licencié, ce qui n'a le moins la moussala, j'aurai de l'argent pour manger jusqu'à la fin de ma vie. Et le Seigneur dit, vous avez vu, cet homme, il a menti, il a péché, mais il a pensé à son avenir. Amen. Et il dit, Père Bakisi, vous, les fils du royaume, vous devez aussi penser à votre avenir. Mais pas en mentant. Tu comprends? En fait, Jésus a loué la prévoyance. Et nous devons être prévoyants par rapport à la vie après la mort. Tu as compris? C'est-à-dire nous devons tout faire pour que demain, si on n'est plus sur terre, qu'on soit bien là-haut. Troisième question. La troisième, c'est dans le livre de Rois, là où le Seigneur, n'est-ce pas, demande aux morts de s'enfoncer que quel esprit, un tel esprit arrive à séduire à Ahab. Et puis on le voit avec Jean qui commence à arriver jusqu'à venir dans la présence de Dieu. J'aimerais en D'accord. Qui croit, qui pense que selon ce passage de Satan, c'était présenté devant Dieu? Levez le main, s'il vous plaît. C'est complètement fou. Qui peut s'approcher du soleil? Pourquoi? D'accord. Savez-vous que Dieu est présenté comme le soleil levant? Le feu dévorant. On est d'accord? Ok. Quand la Bible dit que les enfants de Dieu s'étaient présentés devant Dieu, et que Satan est venu au milieu d'eux, ce n'était pas au ciel. Qui croyait que c'était au ciel? Qui croyait que c'était au ciel? Ça se passe. Personne? Quelques mains sont levées. Non, ce n'était pas au ciel. Satan, dès l'instant où il est devenu Satan, il a été chassé du ciel. Amen.
Vous pensez que Satan est invisible aux anges? On est d'accord que les anges le voient. Vous pensez que Satan peut se déguiser au point où les anges ne vont pas le reconnaître? Donc ce n'était pas au ciel. Donc c'était des hommes comme vous et moi. Et ensuite, dans un roi où on parle des esprits. Ce n'était pas non plus au ciel, là où il y a la gloire de Dieu. Avant que Adam ne soit créé, Satan il était où? Satan a dit quoi? Qui dit au ciel? C'est faux. Avant d'être Satan, il était au ciel. Mais quand il est devenu Satan, quand on a commis Satan, il est debout. À comment tu vas? Qui dit sur la terre? Voilà. Le serpent était l'animal le plus rusé. Il était où? Sur terre, pas sur la terre, dans le jardin. Donc il a percé la foule. Amen. Merci, Saint-Esprit. Jean 3, 13. Quelqu'un l'a trouvé, Jean 3.13. On peut lire. Personne n'aime aussi. Tout le monde connaît la parole. Si ce serait celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. On acclame le Seigneur. C'est clair ou pas? Amen. Ok. Une autre question? Est-ce que vous avez un mot sur ce sujet? Oui, bien. Bonsoir. Bonsoir. Moi, c'est pas une question. C'est le fait que nous avons déjà reçu la bénédiction de recevoir le serviteur de Dieu ici. Nous avons aussi les témoignages de son passage. Mais pour cet enfant, je prie le Seigneur. Que l'onction de repentance, que vraiment que ce réveil tombe sur vous.
réunion sur la chaîne de la et que bon, il est bon. Une consultation là-bas. Otona. Ce soir, c'est question-réponse. Et l'homme Otona Bébia. On va discuter. Et l'autre, oui, frère. Que Dieu vous bénisse. Merci. Je vous remercie par votre intervention. Le vendredi soir. La petite samedi, la D'accord, très bien. Le danger aussi pour ceux qui se disent aimer la parole. C'est que ils établissent un système. Là où Dieu vient et dit, priez seulement pour les gens. Bon, la eux vont dire qu'il faut qu'on nous voit physiquement la Bible. Alors que la loi, la nouvelle alliance nous dit que la loi de la parole de Dieu est inscrite dans notre cœur. Je ne dis pas qu'il ne faut pas nous vivre par la vérité. Je dis ceci, la Bible dit que mes paroles sont, le Seigneur dit, mes paroles sont esprit et vie. Amen. Regardez Jésus. Il y a des moments où il passait toute une journée dans l'enseignement. Il y a des moments où il venait, il ne faisait que prier pour les malades. C'est écrit. C'est là qu'il faut se laisser guider. On n'est pas devenu religieux. Amen. Voilà, c'est ça. Et les enseignements sont donnés tout le temps, tout le temps. Si Dieu dit, prenez un passage évangélisé. Merci. Oui, une main levée. Ok.
Oui, merci papa pour la parole. Moi je vous ai suivi hier à la DRCD. Ça m'a tellement reçu quand vous avez parlé de la vie. À la Naki Lobby, la télévision. C'est le Congo. La télé Congo. Nous sommes là aujourd'hui, on nous parle de la dépendance. On nous parle de la vie. Mais ce qui dit qu'il n'y a pas de voix, c'est n'importe quoi. Et madame, là aussi, vous avez le droit d'aller voir tous les prophètes à qui vous avez donné de l'argent parce qu'ils vous ont sorti, brandi, Galates 6, 6. Vous pouvez leur demander de vous rembourser. Qui peut le lire? Ah, vas-y. Oui, mais c'est ça. C'est fait exprès. Que celui à qui on enseigne la parole soit en communion avec celui qui l'enseigne. Tout ce qui est bon. Il n'est pas question de l'argent. Est-ce qu'un bon est la question? Alors pourquoi on demande l'argent? Tu comprends la mission qui va faire une version de la scène à la fois. C'est pas lui second parce que lui second a mal traduit le grec. Mais allez lui second, c'est parce que lui second payé à Bongoli grec par la montée. Attendez. Non, je ne sais pas qu'est-ce que vous dites dans cette version-là. Pour montrer aux gens la vraie tradition. La salle de la version de la
En fait, le mot grec agathos. Agathos n'a jamais été utilisé pour parler des richesses matérielles. Agathos, c'est un mot qu'on a très Agathos veut dire tout ce qui est bon, tout ce qui est agréable. Amen. C'est-à-dire, je prêche la parole à mon frère Stéphane. Stéphane doit être un avec moi. Pour partager avec moi sa joie. Tu comprends ma soeur? C'est tout. Le Seigneur a dit quoi? L'ouvrier mérite quoi? L'ouvrier mérite son. Qui paye les ouvriers? Non, non, dans le monde. C'est le patron. Les alliés patrons à chaque qui la foutre. Mais là, c'est le prophète. C'est quoi l'apôtre? Autre la prophète, autre la apôtre. À vos pasteurs. À pasteur. Demandez-leur. Qui sont ceux que les gens ont embauchés? S'ils disent, on attend le Seigneur avec toi. Vous avez compris? S'ils disent que c'est Dieu qui va embaucher, donc c'est Dieu leur patron. Alors Dieu va aller consulter Dieu pour avoir le salaire. Alléluia. Dis à ton voisin. Les pasteurs sont des ouvriers. Ma pasteur va à la salle. Toi aussi, tu es un ouvrier. Dis-lui, nous sommes tous des collègues. Ils sont nés sur ma collègue. Ma pasteur, là, ils sont tous ma collègue. Vous connaissez la vérité. Bon. Tu crois que les pasteurs sont les bergers? C'est écrit. Ok. Vous avez des bergers ici au Congo Brazza? Ah, après le Congo Brazza, Babate Limpate Bazali. Hein? Ok. Bon. Qui trouve la paille, la nourriture pour les brebis? Bon, là, bon, on a bon montré le domicile à la moquille. Entre. Dis à ton voisin, les pasteurs doivent nourrir. Les agents, c'est toi. Les agents, les pasteurs, ils vont nourrir sa missionnaire. Bon. Qui est notre pasteur? Bon. Là, les agents, pasteur, la mission. Donc, on va délivrer la mission. Le bon berger, c'est qui? Est-ce que c'est écrit dans la Bible que Jésus-Christ a nourri les gens? C'est écrit, il leur a donné quoi? Après ça, va venir. Du poisson et ici. Du poisson et du pain. On acclame Jésus. Alléluia. Pose la question à ton voisin. Tout le monde voit ça. Vous voulez qu'on évolue comme ça? Mon frère, le premier jour, deuxième jour, Dieu nous a d'abord nettoyé. Quelqu'un d'autre pose une question? Retournons, monsieur les amis. Les frères. Que Dieu vous bénisse. Merci. En fait, ma question
l'Apocalypse 8, verset 3. Apocalypse chapitre 8, verset 3. Apocalypse 8, verset 3. Apocalypse 8, verset 3. D'abord, il y en a, ils disent que c'est l'ange de Yahweh. Et parce que cet ange-là a eu aussi, il a pris, il a agréé l'enfant de Gédéon. Et il est rentré dans. Gédéon a offert un sacrifice et l'ange est rentré dans les montées au ciel et dans le feu. Non, la fumée. Or, l'ange de Yahweh était aussi une manifestation de Jésus-Christ avant son incarnation. Et Jésus-Christ, en tant que homme, en tant que grand prêtre, intercède pour nous. Présente nos prières au Père. En tant que homme, en tant que grand prêtre. Il y en a qui pensent que c'est un autre aspect du service du ministère de Jésus-Christ. Dieu est un, et entre Dieu et les hommes, il y a un homme qui est un aussi, qui est notre médiateur. Donc ça c'est juste une supposition. Donc c'est pas écrit, mais c'est juste une supposition. La seconde, c'est de savoir ce que dans le livre de Luciano est écrit. Ok. Vous êtes ok. En fait, le grec biblique, l'hébreu biblique sont des langues plus riche que le français. Pourquoi pas Chalka?
sur mon prochain. Voilà. Complète. Vous êtes là. Vous avez la parole. Je vous sens fatigué et épuisé. Ok. Nous allons faire. Parce que dans nos assemblées, on ne laisse pas le temps de poser des questions. Hein. J'ai une question par rapport à l'intervention de l'autre, à propos de Satan. Vous m'avez dit que Satan, c'est le serpent qui va recharger le cœur. Est-ce que appeler Satan va recharger le cœur? Très bonne question. Dieu n'a pas créé Satan. Dieu a créé un chéri d'homme. Nzambe a sala Satan, Nzambe a sala kande mwanje moko na kuya. Ézéchiel 22, 27. Hébreux 7, verset 5. Ok.
Mais là, si un pasteur me dit, je dois quand même faire la tête parce que je suis un petit, pose la question. De quelle tribu est sorti Jésus? Bon, ce qui m'a fait, c'est que tout le monde a dit pour un tout le monde est ici. Yes, vous avez dit la tribu. Il est sur le tribu. Et à la fin de la tribu, à Juda. Qui croit que le mot chrétien, c'est le disciple de Jésus ou pas Christ? Madame, il y a des gens qui ont fait ce qu'il faut faire pour les amis, par rapport à la personne. Donc, quand on va poser la question, es-tu chrétien? S'il a répondu oui, il dit, je suis un Guinéen. Non, je ne suis pas un Guinéen. Je ne suis pas un Guinéen. Je ne suis pas un Guinéen. Et non, oui. Et le Guinéen ne peut pas la Bible. Donc, allez, c'est la loi. On a pris la chute avant de Goliath. Allez, on va avec Goliath. Alléluia! Alléluia! Qui est délivré? Hébreux chapitre 7, verset 12. Vous voulez la parole? Vous allez avoir la parole. On aime la parole. Car la prêtrise étant changée, pour être bon à la dame et bon à la dame, il y a nécessairement un changement de loi. Aussi a changé. Ce qui m'a fait la main copée, ça va tout minimiser. Il va aller à 10. On vient pour aller dans moi, nous, donc, on va pas voter à l'équipe. Merci pour la parole. Je voudrais encore m'appesantir sur la Bible. Dans la Bible, il est dit que Abraham, lui qui n'était pas tendu par la loi, il a donné sa dîme à Melchisédek. La Bible nous dit, la Bible nous présente Melchisédek comme celui qui l'avait lui-même. Et Paul, dans l'Ancien Testament, nous présente Jésus-Christ comme lui, Melchisédek, le souverain sacrificateur en notre part. Et s'il y a lieu de l'écriture, lui donner la dîme. Je ne vois pas la contradiction parce que là, ça ne serait plus selon la loi en tant que fils d'Abraham à la fin. On peut donner la dîme. Très bonne question. C'est une question, c'est une affirmation. C'est une question. Ok. Je réponds d'abord à la question. Le frère dit Abraham a payé la dîme. Et voilà, lui était Abraham. Donc, nous qui sommes descendants d'Abraham. Oui, le coup la plus chose que vous allez faire Abraham. Il dit qu'il faut qu'on la paye à Jésus. C'est qu'il dit qu'il faut qu'on la paye à Jésus. Alors, on va faire les Écritures. Bon, tous les gens, qu'on a ma commis pour vérifier les lignes communes. Hébreux chapitre 7. Tout le temps, on a Hébreux chapitre 7. Verset 3. Là, tu peux le lire. Il est écrit, il est sans père, sans mère, sans généalogie, n'ayant ni commencement de jour, ni fin de vie. Mais il est rendu semblable au Fils de Dieu. Il demeure prêtre continuellement. Et considérez donc combien est grand celui à qui même Abraham, le patriarche, donna la dîme du Père. Ah! La dîme d'Abraham, on l'appelle la dîme du. Toi, tu me payes la dîme comme Abraham. Est-ce que tu as pris un butin de départ? Non. Le business, tu dois faire, ce n'est pas un butin. Le butin, c'est un trésor que tu vas conquérir par la force parce que tu as mené une guerre. On attend la parole de Dieu.
la crise du salaire, c'est la crise de Moïse. La crise d'Abraham, c'est la crise du butin. Si toi tu veux la payer, alors soit tu vas la logo là, prends les armes, soit libéré, va dans Sodome et Gomorrhe, qui est dans Sodome et Gomorrhe, va combattre contre le roi de la Mésopotamie. Bundisa la roi, la Babylone Irak, Gola na Irak, combat ce roi là. Bundisa ma roi, il faut que tu fasses un voyage dans le temps. Au secret de nous sommes, je ne sais pas moi à combien de millénaires qui va siècle. 1500 ans à part temps. À 2500 ans. Donc, c'est Mamour à 2500 avant les loups. Avant Jésus-Christ. Donc, si on parle de l'homme, les loups tirent à l'époque d'Abraham, il faut 4500 ans. Voyage à 4500 ans à passer. Ok, au bon dit, c'est la communauté à Sodome, il y a plus de Mésopotamie. Tu combats tout le monde. Oh, c'est du père Anna. Tu veux la lâche, putain. Et puis, tu prends la lâche, putain. Bon, mais il faut que j'entende que l'Église apparaisse. Pas qu'un pasteur. Pas une église. Une visite. Alors, cette église d'Abraham, ça se donne à Melchisédek et non à l'Église. Alléluia. Autre chose. La Genèse 13, 1. Dans mon canal, la Genèse chapitre 13, verset 1. On nous dit qu'Abraham était riche en argent, en or et en propos. Parce que c'est le seul qu'Abraham a sacré pour me guépérer dans le monde. Il était riche alors qu'il n'avait pas encore payé la dîme. Azara qui n'a pas mengo et payé alors qu'il n'a pas moyen de mon pipe. Azara qui n'a pas foutu la dîme. Mais Azara qui déjà n'a pas mis. Et c'est dans le chapitre 14. Oui, dans le chapitre 14, des années après. Ma moule a épélé si ma lèvre Azara déjà n'a pas mengo et payé. Il prend un dixième de du butin qu'il va donner à la dîme. Aïe, soit mon bon azomi. Non, pas la mélo qu'on a pour mengo Azara qui n'a pas mengo. Mais la mélo. Mettez-moi à l'épreuve par la dîme et j'ouvrirai pour vous les cieux. Et le bien était bon, mais quand il est là, la dîme, pour moi, il y a un peu de la mino-licolo. Jésus vient et dit. Alors, je suis hier. Personne n'est rentré au septième. De mon côté, à où tu as maté l'icolo. Comment veux-tu ouvrir les églises de cieux à mon chrétien alors qu'ils sont déjà ressuscités et assis à Christ là-haut? Nous sommes actuellement en Christ, assis à la droite du Père et nous commandons depuis le ciel. Je veux dire une parenthèse, j'arrive. Pour vous montrer que l'Afrique est un continent prophétique. Vous savez que la nation israélite est née en Afrique. Est-ce que vous savez que la richesse d'Abraham est venue d'Afrique? C'est pour cela qu'en Afrique, il y a l'or et l'argent sous terre. Est-ce que vous savez qu'en Israël, il y avait deux Africains parmi tous les pays? Vous voyez bien que dans Israël, il y a la tribu d'Israël. Qui ne le savait pas? Joseph a épousé une noire africaine. Joseph, na Égypte, à Baraka, mon Égypte, moi c'est mon Indo. Il a eu deux enfants, Manassé et Ephraïm. À Bota qui Manassé et Ephraïm. Pas africain. Et Josué. Et Yoshua. Et Yoshua. Il marche de Jésus. Il a sacré les lignes à Jésus. Était dans la Afrique. Dans l'Afrique, le sang. Il était la tribu d'Ephraïm. Ephraïm, son frère, son ancêtre, était un Africain. Oui, Ephraïm, pas carré, Azaraki, autant d'Afrique. On va enseigner ces choses. Donc, on a que ça va la destinée prophétique de l'Afrique.
Vous savez que Jésus a foulé ses pieds, ont foulé le sol africain. Bon, on fait une parenthèse. Bon, attendez une parenthèse. Question. Merci, serviteur de Dieu. Moi, ce n'est pas une question, mais c'est une chose que je veux dire, que vous m'éclaircir un peu. Parce que depuis que je suis à Dakar, le Seigneur me parle de sur Esther. Je suis avec un déjà à Esther. Même le matin, je vous en prie de penser me parler Esther. Mais je connais l'histoire d'Esther, mais je vous pose la question à mon Dieu, pourquoi il me parle toujours d'Esther? Donc je voulais poser une question un peu passée. Je ne comprends pas, parce qu'à chaque moment, il me parle toujours d'Esther. C'est ça. Esther, voilà. Esther est le bon autre. Esther est l'image de l'Église. Les alliés liés à l'Église. Elle a eu 6 mois pour se préparer. Avant de se présenter au roi. Il y a un moment pour lui, il s'est débauché la d'accord. Donc, le Seigneur, si je parle de l'Esther, c'est tout simplement pour te dire que tu fais partie de l'Épouse, tu dois te préparer de sanctifier parce qu'on va rencontrer le roi. Il est parti te parler par rapport à la rencontre dans le monde de Dieu. Tout simplement. Mon frère. Bonsoir. D'abord, je suis très ravi de savoir que le peuple de Dieu est en train d'être édifié sur la question, la cause épineuse. Je peux dire dans les églises. Je suis partisan de ceux qui ont une vision formée sur ce qu'on est effectivement. Mais je dis que. Le peuple doit être enseigné de sorte à ne pas prendre la vie. Alors, j'ai une série de questions, mais je voudrais aller de façon différente. La première, c'est de savoir est-ce qu'en tant que fils de Dieu, nous sommes censés apporter à l'Église, et tout en sachant que l'Église est l'ensemble du monde de fils et de Dieu régénéré par la vie de Christ, et si nous devons apporter, ou si nous devons apporter, voilà la première question. Je ne voudrais pas avoir de question. 1 Corinthiens 16. Verset 1er. Pour ce qui concerne la collecte, la Oyo Itali Sangissa en faveur des saints. Faites comme je l'ai ordonné aux églises de la Galatie. Ce chacun de vous le premier jour de la semaine. Ce qu'il pourra, et pas chez nous. Si vous donnez l'argent à l'Assemblée, parce que votre bishop a dit, je vois quelqu'un ici qui a 1000 euros, donne-moi cet argent-là. Si tu donnes alors qu'à la maison, tu n'es pas préparé pour donner ce que font là, Dieu ne peut pas vraiment la griller. On ne fait pas ça à la maison. Amen. Et les offrandes, l'argent, les dons, servent à quoi? Paul dit que c'est l'argent destiné aux saints qui a convaincu vers l'eau. Qui n'a pas mangé ce soir? Pourquoi aller? Levez les mains. Donc voilà le mot. Maman, c'est toi? Yaka. Pourquoi t'as appelé Oléa Téboya? Donc ça, pour prendre, pour que ça y est, pour la conversion. Il y a la salle de choix. Oui, la salle de choix. C'est ça le point. Ceux qui peuvent, ils le voient. Au fond, il y a des gens qui n'ont pas.
Hier, un frère, l'honneur de l'église de Komoko, un frère a donné 1 million de francs pour aider les pauvres, tout ça. J'ai donné à Julien pour s'occuper de votre solution des finances. Julien, l'honneur de Komoko, la tradition, a fait sa vie. 1 million pour aider les gens. 1 million, on a reçu ma base. Je peux essayer de faire un retour à la nous sommes en formation, 4% de Dieu nous forme. Et ça, nous allons faire la collaboration. On est sur la chaise, filme pas la face de moi, de loin de moi. Nous avons des gens qui sont là, comme la sœur est enceinte, et c'est pas pour manger ce soir. Tout ça, j'adore avec moi. Ils vont dans les églises. Les sœurs, vous venez de dire que la vie connaît la main pour compter. Et on va se dire aujourd'hui, on est venu, et aujourd'hui, on va venir chercher le temps à la forme. Mais on va se dire que ça, on est venu, c'est un peu tard, mais tout de suite, on peut faire sa forme, et puis, on peut le voir, et on peut aussi jouer la vie. Landry, on va changer les caméras, s'il vous plaît. Nous acclamons le Seigneur parce que c'est un peu de temps. Dieu change votre vision de l'Église. C'est chaud. Ça dépend du monde, les gens. Oh, Dieu est bon. Ça va, toi? Comment tu t'appelles, dis-moi? Qu'est-ce que tu veux que mon Dieu te donne? Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? Il te bénisse. Papa bénisse ta enfant. Les offrandes, les dons, les églises, c'est d'abord pour subvenir aux besoins des pauvres. Un Corinthiens 16 le dit, 2 Corinthiens 8 et 9 le disent. Aujourd'hui, les offrandes, le pasteur compte ça avec sa femme, et vous, le pasteur, et quand ça fait le billet dans la première place, pour aller au Canada, pour aller en Afrique du Sud, pour aller rouler dans Pro 4x4, avoir fui la piscine, ce sont des voleurs. Et nous, vous avez promis, vous avez la personne, 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 la vous connaissez la vérité, oui, la et la vérité, et la on avance. La cosa qui est mise au pays dans mon demain matin, demain, si Dieu permet, une équipe ira déposer la nourriture, sac de riz, sac de riz, manioc, pain, tout ça là, dans au moins 2 orphelinats. L'homme n'a pas de problème, il faut que
Amen. 480, c'est pas conflit. Amenez-moi déjà ce qu'il y a là. Amenez-moi déjà ce qu'il y a. Là, c'est les 100 000. Donnez 40 000 à chacun. Elle va accoucher, je viens rajouter lui 50 000 pour l'accouchement. Je viens la voir, je viens. Alors, est-ce que ce serait mauvais d'agir comme l'Église du 1er siècle, selon acte de Joshua 25, 42, 44? Alors, la Bible dit que chacun apportait selon la mesure du possible.
et qui se faisait dans acte et cette société, on faisait des définitions selon le besoin. Et tout en sachant que dans l'église, il n'y avait pas que notamment les vœux, les orphelins et notamment les pauvres, il y avait aussi ce qui était consacré au ministère. En fait, est-ce que c'est selon mon père, après une récolte faite, selon les dons et les offrandes, de prendre finalement dans l'église de ceux qui sont appelés à l'évangile au ministère, puisque eux aussi dans les provinces. Est-ce que ça serait mon père de prendre ça? C'est vraiment une question. Est-ce que les animateurs, ceux qui sont salis collègues qui arrivaient de Oyo, tous ceux qui ont fait bateau, vous allez vous occuper d'un côté à l'évangile? Est-ce que ça m'a dit? Déjà, tous les chrétiens sont appelés à prêcher la parole. Un Pierre chapitre 2, verset 9. Il est dit que nous sommes appelés à annoncer les vertus. Et comment dire que ton bébé qu'on a tous la parole? D'accord? On a confié la prédication aux apôtres, aux prophètes, aux évangélistes, aux... c'est anti-biblique. Quand les apôtres dans Acte 6 disaient, nous allons nous consacrer au service de la parole, quand on va Acte 6, à l'époque, les écrits de la Nouvelle Alliance n'existaient pas. Quand l'Église est née, est-ce qu'il y avait un pierre, deux pierres? Donc, les écrits de la Nouvelle Alliance n'existaient pas encore. On est d'accord? Oui. Je veux m'entendre. Est-ce qu'on est d'accord? En fait, j'aimerais peut-être pas dire de façon formelle qu'on est d'accord ou pas, parce que on ne sait pas exactement à quel moment l'apôtre Pierre est écrit. Est-ce que c'est en vrai? Oui, est-ce au début, frère, je veux dire, on n'a pas. Quand l'église est née? Quand l'église est votée. Est-ce qu'il y avait des brûlés? Mon canard est là, est-ce que c'est là? Ah, soyons vrais. Si tu aimes la parole, il faut être aigre. Est-ce qu'il y avait un corrigé? Est-ce que mon canard va connaître comme maman qui, quand on va mettre le solo à acte 2, mon canard va connaître les arrêts? Quand il y a eu acte 6, est-ce qu'il y avait un Corinthien? Quand mon macambo va commis à acte 6, et Salamanca, est-ce que mon canard est un Corinthien? Non, parce que Paul n'était pas encore converti. Oui, tu n'as pas encore converti. Paul, ce que je veux te dire, c'est que les apôtres faisaient office des écrits aux Écritures. Oui, les apôtres, quand on va aller au salaire, à l'écriture. Et c'était comme des écrits. Ok. Donc, le col à Mikandawa n'est pas là qui dit apôtre, va m'en commander qu'on nous va, et à mon nez, comment il va écriture. Maintenant, Dieu a fait de tous les chrétiens des prédicateurs. Les locaux, ils ont des Christ au sont. Et aucun chrétien ne peut dire qu'il n'est pas appelé à plein temps. Voyez mon Christ, pourquoi t'as eu le bas et il y a avec ta main à plein temps. Tous les chrétiens sont appelés par Dieu à plein temps. Ma Christ, nous sommes avec ta main par une temps, mais quoi, ça, les laines, un temps, on a eu une nuance. Je prends un exemple. Je peux faire un exemple. Qui est au travail? Aux gens, je te dis, prêche la parole à ton patron. Ça va être ici au cœur, il y a mon continent. Je vais passer à Dieu, je suis en train de travailler. Oui, c'est vrai, ça, mais qu'il y a un autre ça. Tu es à l'école. Aux gens, ma classe. Je te dis, prêche la parole à ton professeur. Nous sommes tous des prêtres. Il est d'accord avec ça. Et un prêtre présente des problèmes de Dieu aux hommes. Nous sommes tous des messages. Et non des messagers. Quand les gens du monde voient notre vie, ils doivent chercher Dieu. Nous sommes appelés saints. Qui vous dit consacrés. Donc, voyez, on ne peut plus vous consacrer au ministère parce que Dieu vous a consacré à la conversation. D'accord. Donc, si un pasteur
pasteur vient de dire, moi je suis consacré au ministre de la parole, nourrissez-moi. C'est un esprit. Oui, ce qui, pasteur, pourquoi il faut savoir que il a consacré le ministère et la parole, donc il faut oublier ça, parce que dans le Bouddha. Le Seigneur dit, Zamba le bureau. Les offrandes, l'argent, Makabo, Tombongo. Comment on a fait? C'est pour tous ceux qui ont les besoins. Mais allez qu'on a pas basali dans vos sega. Qu'il soit chrétien. Azala mon Christ. Qui a des dons de guérison. Oui, Azala, le caboya mon Christ. Qui sont des prophéties. Tombo le caboya mon Sakoli. Qu'il soit pasteur. Azala, Azala, pasteur. Qu'il soit apôtre. Et c'est les apôtres. Qui ont grand besoin. Yonso Azala besoin. On peut les aider. Avoyez vos soumets. Mais on ne va pas encourager le vol, encourager la passivité, la dépendance vis-à-vis des autres. Là, c'est ton comité d'église, appelle. Amen. Maintenant, si quelqu'un dit Dieu m'a dit de ne pas travailler dans le monde, alors comme c'est Dieu qui lui a donné cet ordre-là, Dieu étant fidèle, il lui donnera chaque jour sa nourriture. Oui, ce qui m'a dit que le gagné était exemple, il s'est dit pas. Là, il s'est dit qu'il mais il s'est dit qu'il s'est dit qu'il s'est dit qu'il je le vis. Ça fait plus de 18 ans que je ne travaille pas dans le monde. Là, pourquoi on a travaillé avec la mobilité? Ça fait 18 ans. Je suis français. Je dois à une couverture sociale pour être soigné. Je suis malade gratuitement. Nazali, la couverture sociale nous permettre. Je le crois. Nazali, la droit, il y a pour ça là. La couverture sociale nous permettre. Nazali, la soigner ceux qui sont malades. Mais je crois que la couverture sociale. Mais Nazali, la soigner. 24 ans pratiquement que je suis à Paris et depuis que je sers le Seigneur et j'ai pas de maladie. Oui, ça fait 24 ans et je suis pas de maladie. Aucun médecin. Attire là où vous avez médecin, t'es la couleur de maladie. Dieu me donne la santé. Ça ne m'est pas besoin de la santé. Je ne t'appelle pas les gens, donne-moi l'argent, donne-moi ça. Avec la maladie, mais ça va vous aider. Dieu touche les gens et c'est comme ça qu'ils soutiennent l'œuvre. Et quand les gens me donnent, comme hier, quelqu'un m'a donné 1 million de francs CFA, 1500 euros, eh bien, j'ai donné à Julien parce que de l'argent et on a trouvé des gens ici. Ça, mais il faut qu'on a touché à la bateau, on a besoin de venir à la caille, mais ce qui n'a pas baissé dans l'union là, là, il y a tout, on a gagné, ça, on a volé, on a battu. Il y a tout ça là qui a volé. C'est ça l'évangile. L'évangile des rois. Et un prophète, un apôtre ne doit pas être un fardeau pour les chrétiens, pour qu'on paye sa maison, qu'on tombe sa pelouse, qu'on tire à la fin de sa voiture, pour tout le monde. Ce sont des folles. Jésus dit, et son nom. Si vous allez dans une maison et qu'on vous reçoit, que votre paix soit là. Ceux qui vont couper dans la commande pour le paix, il y a des binômes qui viennent à la ville de Zalananda. Si on vous donne à manger, mangez. Ce qui va préciser la parole, au lieu. Car le Dieu me dit ça, pour que vous salez pour le salaire de l'ouvrier, écoutez à vos salles, à l'époque, la nourriture, et la vie, elle va vous dire. Et c'était les planteurs d'église, parce qu'ils allaient de maison en maison, de ville en ville. En gros, on a écouté pour la Yengoumba, la Yengoumba. Je suis tout à fait d'accord avec vous. La parole. Merci. Effectivement, c'est la parole. Je suis d'accord, sincèrement. Juste un exercice, peut-être le dernier. Pas vraiment l'esprit, l'écriture en tant que tel, mais je crois que ça existe. C'est vraiment compliqué. L'apôtre Paul dit que tous ne sont pas des lâches. Et l'apôtre Jean dit qu'il n'y a pas parmi vous l'homme qui enseigne. À ce moment-là, comment est-ce qu'on peut considérer ce futur? Est-ce que vous pouvez donner le passage pour Paul dit qu'on ne peut pas l'approcher? Bon. C'est comme que, au départ, j'ai bien dit, je n'ai pas les traces exactes. Ce n'est pas ce que Paul a dit. À moi, je dis mal. Ah, ce n'est pas Paul, comme il a dit ça. C'est Jacques a dit, dans Jacques 3. Vous avez Jacques, il a commenté dans le mes frères, ne soyez pas nombreux. À être des docteurs. À Oyo, Mazali, Balaxi. Didascalos en grec. Moi, je vais traduire les actes Didascalos. Professeur. Et les gens vont l'exprimer, ils vont aller couper sa peau. Au Kundola. À mon nez. Est-ce que c'est de Paul dit ceci? Si tous prêchent, lesquels vont écouter? Je peux retrouver ce que vous avez. Paul dit, la 1 Corinthiens 12. Voilà le 1 Corinthiens 12. Tous sont-ils apôtres?
Est-ce que Baron Union, c'est pas ça, dans le temps, c'est pas ça. Donc, c'est pas prêché. Tout sont plus la cause du président. Tout sont plus prophète, non. Donc, on va parler tellement à ma côté. Non, c'est pas ça. Et Dieu a établi premièrement, je te rappelle que Jésus, il est plus prenant dans l'église, c'est à vous. Deuxièmement, de protéger, protéger les acteurs, ainsi que le de pouvoir gagner, de secourir, de faire des miracles. Verset 26. Tous sont-ils apôtres? Non. Tous sont-ils prophètes? Non. Tous sont-ils docteurs? Non. Tous sont-ils donneurs de guérison? Non. De condamner? Non. De prophétiser? Non. De prophétiser? Non. Dans mon couche, Mais il a le bien à côté de toi. Absolument. Donc, on va venir à la fin de la semaine.
Sinon, tout le monde qui n'a pas de vivre sans parce qu'on côtoie les gens dans le monde. Oui, des religieux, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Bien sûr, on ne va pas aller commencer avec les amis et vous le matin. Mais maintenant, ils disent ce que je vous ai dit, ce n'est pas que vous ne pas vous mêler avec quelqu'un qui se dit frère. Oui, la lumière, la vie, la sécurité, aussi dans les signes de mon grand monde. Azo, il met la frère quand il a Christ. Tout en état impudique. Zo, capo, moi, il est installé à l'école. Voleur. Oui. Paul parle de la relation entre les chrétiens. Mais il parle pas de la relation entre chrétiens et membres d'une même famille. Paul a zo, le bénin, où il est allé à Christ entre Mango et l'Église. Parce que zo, le bénin, la relation entre Christ et Mango et la famille. J'ai pris dans Matthieu. Là, on dit, si vous avez un différend avec un frère, avant de prier, va d'abord. Si tu vas prendre ton offrande à l'hôtel, et qu'en chemin, tu t'aperçois que ton frère a quelque chose contre toi, c'est pas toi, mais c'est ton frère qui a quelque chose contre toi, tu laisses ton offrande et tu vas te réconcilier avec ton frère. S'il refuse, tu auras fait ta part. Tu auras fait ta part. Tu demandes que tout serait juste. Tu vois, non? Alors fais-le. Avec ta femme. Pardon. Okay. On va donner une question, jeune homme. Je crois que ça t'intéresse que ça se vienne. Que le Seigneur vous bénisse. Parce que moi, je suis tellement touché. Et ça me révolte. Ça te révolte, hein? Sera-t-il? Sera-t-il? Tu vas dans une assemblée. Tu as un ministère. Je paye la visite. Jusqu'à ce jour. Jusqu'à présent. Donc là, tu. Ça trouve un peu. Je pense que tu aurais pu le secteur. Pourquoi je vais vous dire. Maintenant, dans la première question, c'est plus fort, c'est pas. La première question, c'est sauf. Parce que dans le précédent, pendant que Jean trouvait celui de la France, il a vu le livre qui était précisé, qui était dans l'intérieur. Et le livre était précisé, 7. Maintenant, il y a eu une explication de toutes les 6. Mais arrivé au 7e saut, lorsqu'il l'ange a joué, il y a eu un silence en trouvant une délivrance. Maintenant, dans le silence, il y a eu 7 tonnes quand le lion a bougé. Maintenant, Jean a voulu écrire. Et l'ange lui dit de ne pas écrire ce qui s'est passé dans les 7 tonnes. Donc, j'aimerais savoir quel est le message qui s'est passé dans les 7 tonnes que Jean devait garder. Tu as lu par là. Oui, j'ai lu. Sors de là. Amen. C'est vrai. Dieu est grand. La madame, vous m'aimez.